15 ans qu'est digne de ce nom et qu'il reste si humble. Vous avez entendu? Ça veut dire que les sœurs sont de retour. Sortons le fromage et le zanke. Nous boirons au retour des Sarento. Quelqu'un doit hisser les cerfs-volants de la fête. C'est un honneur qui revenait souvent à ton peuple. Cela donnera le signal à tout le monde. Nos chefs sont d'une sagesse infinie, mais je crains qu'elle n'ait pas appris à sourire. Mais l'intelligence, c'est mieux. Ses mains ont tissé de nombreuses tentes. Nous sommes à l'aube du monde. Peut-être rester plus près du camp. Allumez le feu et préparez le zanke. Notre Sarento est de retour. Et un autre s'envole. Non, je rêve d'être un Zakdo. Dormir et manger toute la journée, c'est pas un Zakdo. Les Zakdos apprécient notre visiteuse. Ce cerf-volant annonce la tempête de notre célébration. Maintenant, tout le monde saura que nous sommes alliés. La dernière visite des Sarento remonte à plusieurs migrations. Vous revenez avec d'autres récits. Des récits de guerre, de résistance. Et cette fois, nous les raconterons ensemble. Désormais, nous brandissons la même lance et chevauchons à l'unisson. Alors, que penses-tu de nos terres? Elles sont superbes. Si vastes que j'aimerais pouvoir voler. Mais mon Ikran ne me répond pas. Le vent de nos plaines est redoutable. Les Ikran ont besoin de sentir que tu les protèges. Les monteurs d'Ikran peuvent te montrer. Si tu les trouves en Ewa. Dans la chambre aux échos. Elle n'est pas loin. Avec notre cercle dans le dos, passe devant l'arbre perché, par-delà la colline. Psst. Ils repartent pour une de leurs chasses insensées. Pas insensées. Jamais sans raison. Ceux qui viennent du ciel ont toujours un plan.
Je peux essayer de le découvrir. Trouve les cavaliers en Ewa. Prends ton Ikran. Et nous frapperons leur camp depuis le ciel. Merci.
plaisir de te voir. Teylan, la RDA manigance quelque chose. Je vais aller voir leur camp de plus près. Est-ce qu'il y a des ajouts? Ils sont énormes. Nessim m'a dit qu'ils plantaient leur langue dans la terre pour manger. Ils sont énormes, mais très doux. Je crois que tu les aimerais bien. Je crois aussi. Il faut qu'on empêche la RDA de leur faire du mal. Je continue d'écouter leur fréquence. Attention, il y a des ennemis. Elle tue des animaux pour se faire de l'argent. Teylan, tu joues encore avec ton vieux Tokiwoki? Pardon, j'ai pas fait exprès. Pourquoi tu veux pas que je t'en trouve un nouveau? Un qui fonctionne. J'aime bien son odeur, son poids quand je le tiens. Je sais pas, je m'y suis attaché. Priya, j'ai trouvé un dossier de la RDA. On dirait la commande d'un botaniste. Et il y a une photo d'un lieu. Je vais aller voir. Oh, ça a l'air intéressant. Un soldat blessé.
mal. Écoutez-moi. Organisez-vous avec les équipes des serres et des défenses pour alterner les livraisons au pavillon. S'il y a trop de mouvements, ça va attirer l'attention. J'envoie des coordonnées. Tu as entendu ça, Taylan ? Ouais. Mais de quelle livraison elle parle ? Et c'est quoi ce pavillon ? Thank you.
bien. Thank you.
puisqu'il se termine. Je ne peux pas être loin. Bien le visuel. D'ici l'odeur du pognon. Posez les pièges et gardez vos armes à portée. Le marché noir n'attend que nous. Les gens paieront des fortunes pour avoir un souvenir de Pandora sur leur étagère. Ils veulent des trophées. Oh non, ça va être un massacre. On ne les laissera pas faire, Taylan.
Vivement qu'on regroupe tous ces monstres. Ouais, t'as pas tort. Quelqu'un par ici. Oh.
rouler ces colonnes de pierre. Je veux avoir un seul Samson en réparation, à moins que vous ayez pris un coup de lance. Les colonnes de pierre? Oh! Je crois savoir où se trouve ce pavillon. Et il y avait un code d'accès. Je dois simplement trouver ce que ça ouvre. Je devrais d'abord libérer les animaux pris au piège et retourner voir les sœurs. Qu'elles sachent ce qu'on a trouvé. Voyons ce que j'ai pour toi. Bon voyage. Ça me change les idées d'être dans les plaines. Tu n'as pas l'air bien, Sarentu. Qu'as-tu découvert? J'ai vu des animaux prisonniers qui souffrent dans leur camp. J'en ai libéré autant que j'ai pu. Ils tuent sans honneur. Ils laissent la viande pourrir. La nourriture d'Ewa les rend malades. Ha! Elle les frappe jusque dans leur estomac. Ils ne prennent que ce qu'ils peuvent revendre sur leur monde. Ce ne sont que des trophées. Ils n'ont aucun respect pour la vie qui les entoure. Leur chef s'appelle Harding. Elle est réputée pour sa cruauté. Ils apportent ce qu'ils voient dans son camp près des colonnes de pierre. Alors nous la ferons payer. Va, nous te rejoindrons dès que nous le pourrons. Ouvre l'œil et aiguise tes flèches, Sarentu. Ils peuvent toujours essayer de me défier. Ils perdront. Je suis prête pour une nouvelle victoire. C'est dans la tempête qu'on se sent vivre.